Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être là pour les rencontres du réseau PAC. Pour ces rencontres qui sont intitulées Mutations et qui auront lieu sur 3 journées. Donc, c'est la journée d'ouverture aujourd'hui au MUCEM. La première journée sur la situation des acteurs, droits d'auteur et l'économie. Donc, on a plusieurs invités aujourd'hui. D'abord, Aurélie Horstmann, Maître Horstmann. Qui est avocate au barreau de Marseille et qui travaille dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle est membre du Club TOT depuis 10 ans, donc elle nous expliquera qu'est-ce que c'est que le Club TOT. Mais en 2 mots, c'est un réseau d'avocats, d'experts comptables et de conseils en assurance spécialisés dans la culture et les médias. Voilà, elle assure, entre autres, depuis février 2021, des permanences au local de Pâques, puisque on est vraiment entré dans la question de comment donner les clés à tous les acteurs pour pouvoir avoir des bonnes pratiques. Voilà, je vous présenterai ensuite l'une et l'autre. Peut-être si tu veux commencer. Merci Diane, bonjour à tous. Voilà, comme on m'a présenté, je suis avocate au barreau de Marseille. J'interviens principalement dans tous les domaines de la création, de la culture et de l'innovation. Et à ce titre, donc, je suis membre du Club TOT, qui est, comme l'a dit Diane, un réseau interprofessionnel d'experts comptables, d'avocats et de courtiers en assurance. Tous spécialisés dans le domaine culturel, le secteur culturel et médias. Alors, pour le dire autrement, pour vous, c'est un portail d'accès à des professionnels du chiffre et du droit qui ont une pratique reconnue dans le secteur professionnel, dans tous les domaines de la création, de la culture, des domaines artistiques. Et nous sommes donc répertoriés sous forme d'un annuaire, on a un site internet et sur lequel il y a un annuaire qui regroupe donc les membres, sachant que nous sommes tous indépendants les uns des autres. Nous sommes structurés sous forme d'associations, mais nous sommes donc vraiment des cabinets indépendants sur toute la France. Alors évidemment, beaucoup des membres sont à Paris, mais il y a des membres qui ont leur cabinet installé dans d'autres villes, par exemple Montpellier, Nantes, Lille. Et puis à Marseille, nous sommes deux, moi-même et Nicolas Dupuis, qui est expert comptable associé du cabinet Essia, qui se trouve à l'Estaque, qui s'excuse, donc je me fais sa voix aujourd'hui, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Il avait un impératif familial, il n'a vraiment pas pu se libérer. Et tous les deux, donc en tant que membres du club TOT, nous avons le plaisir depuis quelques mois d'assurer des permanences du PAC auprès de structures donc, qui viennent nous consulter sur des problématiques qui leur sont propres, puisque c'est des consultations individuelles. Alors, sur le programme, vous verrez situations relevées par le Club TOT. Évidemment, les consultations étant soumises au secret professionnel, je ne vais pas faire de compte rendu aujourd'hui. Que si, s'il y a certaines personnes que j'ai pu rencontrer, qu'elles soient rassurées, je ne vais rien dévoiler. Voilà, on a du coup eu cette possibilité d'accompagner sur un temps de consultation certaines structures sur des problématiques, soit juridiques en ce qui me concerne, soit comptables et fiscales pour Nicolas Dupuis, expert comptable.
Voilà, donc le club Tot, c'est pour vous. J'espère que vous irez visiter le site internet. On a aussi une page Facebook. C'est une facilité d'accès à des spécialistes en fait dans le domaine. Et pour nous, l'avantage d'être un réseau qui fait qu'on peut enrichir aussi nos connaissances entre nous, partager sur des dossiers et compléter cette spécificité que nous avons, parce qu'on n'est pas très nombreux en France à intervenir dans ce domaine-là. Donc moi, effectivement, je vais intervenir dans la propriété intellectuelle, par exemple, j'ai des dossiers en propriété intellectuelle, du droit des contrats, droit du travail, mais donc qui va toucher au secteur de la création de la communication. Alors, je vais dire quelques mots, parce que donc Nicolas Dupuis ne pouvant pas être présent, je vais dire quelques mots de ce qu'il avait envie de partager avec vous, mais je vais être assez brève parce que je ne suis pas expert comptable. Je vais pas m'hasarder dans des explications sur la question de fiscalité et de bilan. Mais ce qu'il avait envie de vous dire aujourd'hui, c'est que son ressenti après les consultations et tout au long de l'accompagnement qu'il a fait aussi d'autres structures, hein, indépendamment du PAC, ces derniers mois, c'est que les structures, ce qui retient, c'est quand même les structures qui ont pu bénéficier du fonds de solidarité, ont pu quand même toutes, en tout cas de ce qu'il a vu, maintenir une activité. Donc ça, c'est positif. Le fonds de solidarité a pu leur permettre de payer leurs charges fixes. Celles qui ont bénéficié du chômage partiel aussi, ça a été une aide importante pour maintenir cette activité. Donc les indicateurs sont bons aujourd'hui et les projets sont dans les tuyaux l'activité reprend. La seule crainte qu'il a pu l'inquiétude qu'il a pu qui pressent, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui donc ont été mis en stand-by pendant plusieurs mois et qu'on craint un peu l'embouteillage. Donc c'est la question de savoir est-ce que les projets vont pouvoir se faire maintenant avec le public, est-ce que le public sera là. Voilà, c'est la seule petite inquiétude, j'essaye de minimiser pour ne pas plomber l'ambiance en disant petite, mais l'inquiétude qu'il pourrait avoir, mais de son point de vue, il y a quand même quelque chose de positif aujourd'hui. Et lui me dit aussi que quand il a été consulté dans le cadre du PAC, c'était essentiellement pour des problématiques de fiscalité d'association. Donc c'est toujours un peu le même besoin des structures, c'est d'être accompagné sur la fiscalité pour celles qui n'ont pas d'expert comptable et éventuellement pour d'autres d'avoir une aide ponctuelle de contrôle de leur bilan. Voilà. Pareil, y a quand même un constat qui est que les structures ne sont pas toutes accompagnées d'un expert comptable. Alors, évidemment, je ne vous dirai pas le contraire, c'est pourtant quelque chose qui apparaît essentiel. Et aujourd'hui, le conseil qu'il aurait eu envie de vous donner s'il avait été là, c'est d'être conscient que la comptabilité, c'est pas quelque chose qui s'improvise, qu'il faut être formé à ça, ou alors recruter des personnes qui sont formées à la comptabilité. Ou quand un besoin n'est pas forcément permanent et qu'il peut y avoir un besoin juste ponctuel sur un projet, là, faire appel à un expert comptable extérieur pour être accompagné. Ça rejoint ce que j'ai envie de vous dire, moi, aujourd'hui, sur le constat que je fais et que je continue à faire et que j'ai fait encore
au moment de l'accompagnement avec le PAC, c'est que il y a un désir d'accompagnement, il n'y a pas forcément les moyens qui permettent de faire appel à un avocat ou à un expert comptable. Donc ça, on le sait, c'est pas nouveau. On est identifié comme des professions coûteuses et forcément, certaines, que ce soit côté artiste, hein, on sait très bien pour la plupart d'entre eux la précarité dans laquelle ils se trouvent, ou alors les structures qui elles-mêmes font face à une problématique financière qui ne permettent pas de voir cet accompagnement comme un investissement. Ça devrait être vu comme un investissement. C'est aujourd'hui toujours vu comme une dépense. Et ce qui fait que il y a des prises de risques. Alors moi, je peux que alerter aujourd'hui, puisque j'ai la possibilité de le faire, sur le fait que on est aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus judiciarisée, et que aujourd'hui, ne pas être accompagné par des personnes qui ont les compétences pour accompagner des projets, c'est risqué. Ne pas être accompagné par un avocat ou un expert comptable, ne pas prendre une assurance, c'est aussi une prise de risque. Et que cette situation fait que on veut souvent éluder ces questions-là. Et puis finalement, nous, on intervient un peu comme des pompiers au moment où le problème est déjà là. On pensait qu'on allait économiser un coût au départ. Et puis finalement, l'accompagnement se trouve beaucoup plus coûteux parce que vous imaginez bien qu'un accompagnement, quand il y a déjà un litige, c'est plus complexe, c'est forcément plus coûteux pour le client. Donc aujourd'hui, malheureusement, la situation n'a pas évolué. Ça, c'est le constat que je peux faire. Alors que, je dirais, il y a une volonté peut-être plus forte. Alors, je ne parlerai pas de prise de conscience, parce que je pense que la prise de conscience de la nécessaire contractualisation des relations, ça fait un moment déjà, et d'ailleurs je ne suis pas en train de dire non plus qu'il n'y a jamais de contrat signé, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a un désir plus fort de faire appel au juridique pour encadrer les relations entre les artistes et les structures. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on a des modes d'exploitation qui sont plus large, enfin large que qu'avant, notamment le numérique qui maintenant est partout. Dès qu'on a une exploitation d'une œuvre, le numérique est présent. Il y a de nombreuses années, mais on va dire une autre époque, on envisageait ces questions-là, ces exploitations-là, pour quand il y avait une captation audiovisuelle, par exemple, d'une performance, ou alors pour les vidéastes. Aujourd'hui, pour tout type d'œuvre, n'importe quel artiste va être confronté à une exploitation numérique. Et on l'a vu ces derniers, pendant toute la pandémie, les expositions maintenant se font en ligne, les catalogues d'œuvres sont en ligne, toutes les œuvres sont reproduites sur les réseaux sociaux parce qu'on a une com qui est très large sur les réseaux sociaux. Donc il y a cette exploitation qui est de plus en plus large. Et à côté de ça, cet élargissement des modes d'exploitation impose de fait de rétrécir le cadre contractuel. C'est là où je vous disais que je sens qu'il y a quand même de plus en plus cette volonté de contractualiser les relations, parce que
l'artiste et la structure qui va l'exposer vont là plus que jamais avoir besoin de réguler et de remettre la confiance, je pense, au centre de la relation. L'artiste, bon, sa crainte, moi, en tout cas ce que je vois dans mon cabinet, hein, je parle vraiment au niveau juridique et je parle pour mon exercice, mais la crainte d'un artiste, à chaque fois, c'est toujours la même, c'est de se sentir dépossédé de son droit de propriété intellectuelle. Ça, c'est la crainte première. Et en face, on va avoir une autre crainte. Alors, c'est une crainte qui est évidemment tout à fait légitime, et en face, on a une autre crainte qui est légitime aussi. C'est la crainte des structures d'être pas limitée, mais en tout cas de ne pas avoir la jouissance paisible de l'exploitation de l'œuvre. Donc on a deux craintes qu'on pourrait imaginer impossibles à concilier. Et en fait, le contrat, c'est quand même l'outil principal de cette conciliation, de remettre la confiance au centre de la relation, de réguler aussi les pratiques. Hein. On est dans un domaine qui est vraiment qui est régi d'un côté par le code de la propriété intellectuelle qui encadre très strictement le droit des auteurs, et puis en même temps c'est les usages aussi beaucoup. Donc ce qui à mon avis est primordial aujourd'hui, c'est de prendre conscience que le contrat doit vraiment redevenir un outil. Il l'est de fait parce que il est obligatoirement un outil de cession de droit. Le code de la propriété intellectuelle, vous le savez, impose un écrit pour céder ses droits. Donc sans contrat, il n'y a pas de cession de droit. Mais aujourd'hui, les contrats soit sont absents, soit ils sont là, mais mal rédigés ou alors très larges parce que justement, on ne sait pas trop ce qu'il faut y mettre. Et résultat aussi, les artistes ne comprennent pas vraiment ce qu'ils doivent signer. Donc il y a quand même encore cette problématique qui ne va pas être résolue demain. Je sais que c'est encore un sujet pas tabou, mais presque. Non pas le contrat, parce que je sais que la volonté, elle est là, mais voilà, faire appel à un professionnel du droit qui va s'en charger. Résultat, on signe des choses parce qu'il faut, mais on ne se sert pas du contrat comme étant le moyen aussi de discuter, de mettre sur la table les éventuels problèmes et les régler maintenant, et pas ce qui peut être peut-être la peur, je me dis, c'est pas que le manque de moyens, c'est parfois aussi cette peur de faire ressurgir, surgir des désaccords au tout début d'un projet, en disant, oh là là, on va pas parler des sujets qui fâchent. Je pense que, bon, après, ça, c'est la psychologie en ce qui me concerne des dossiers. C'est non, au contraire. Il ne faut pas avoir peur de faire. Les désaccords, c'est à ce moment-là qu'il faut les faire ressurgir. Il faut mettre tout sur la table pour qu'on n'ait pas des mauvaises surprises à un moment et une des parties qui disent mais c'est pas ce qui était prévu, j'avais pas compris ça, je suis pas d'accord, bah oui, mais il y a un contrat qui a été signé, etc. Donc, je pense que cette multiplication des usages, des modes d'exploitation de l'œuvre aujourd'hui font que la contractualisation est nécessaire. Et sauf que y a le deuxième effort, c'est presque un effort, mais qu'il faut faire de chacune, chaque côté de la barre, c'est vraiment de comprendre que il suffit pas d'avoir un contrat signé. Il faut que le contrat il soit adapté, il veuille dire ce qu'il doit dire. Il y a quand même des risques de nullité. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours de droit maintenant, mais des clauses de cession de droit mal rédigées, elles peuvent être annulées en un clin d'œil par un avocat qui connaît son sujet.
parce que le sujet est strictement encadré par le code de la propriété intellectuelle qui impose une rédaction très particulière. Donc voilà. Pour résumer mon constat, en tout cas ces derniers mois, c'est que ça va dans le bon sens d'un effort et d'un vrai désir de cadrer les relations, de pérenniser les relations entre les artistes et les structures, parce qu'il y a cette volonté de faire durer les relations, que les choses se passent bien, et que le contrat est un outil parfait pour ça, que l'avocat est là aussi pour ça, parce que, effectivement, nous, les conflits, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, et on arrive à transformer un conflit en quelque chose qui en une discussion. Je pense que peut-être après, s'il y a des échanges ou des questions, on pourra revenir sur certains points. Je regarde juste rapidement mes notes pour savoir si Nicolas Dupuis ne m'aurait pas dit quelque chose que j'aurais oublié. Mais je ne crois pas. Mais au pire, j'y reviendrai. Pour les questions, on fera à la fin de toutes les présentations. Okay. Merci pour ta présentation, en tout cas, et de rappeler qu'un contrat, il faut savoir l'écrire et il faut savoir le lire. Avant de passer la parole à Julie Desmit sur la question de l'amélioration des pratiques, donc vous êtes vice-présidente et déléguée générale de la FRAP. Moi, je ne suis que déléguée générale. Ah, alors je me suis trompée. Non, parce qu'on devait être deux. Ah oui, c'est l'une et l'autre. Voilà. D'accord, autant pour moi. Donc, la Fédération des réseaux et associations d'artistes. Vous direz mieux que moi qui vous êtes. Et je laisse Jean-Christophe présenter la vidéo. Et voilà, donc, petite ponctuation, mais qui va bien éclairer en contrepoint le sujet. On va peut-être passer, non pas les films dans l'ordre, je suis désolé par rapport à ce que j'avais dit à la régie, mais on va passer le film qui s'appelle Rietveld, et qui est un film de Céline Mantz qui s'appelle Waltzing. Sur la question des droits d'auteur. Absolument. Sur la question du droit d'auteur et de la filiation et de l'œuvre originale. Donc, je te laisse la parole. Oui, merci, c'était très intéressant en effet. Déjà, merci beaucoup d'avoir invité la FRAP aujourd'hui. En plus, c'est la première de Provence à l'Arc Contemporain, donc d'autant plus ravie d'être là aujourd'hui. J'aurais aussi excusé donc, la coprésidente de la FRAP, Mika Lopez, qui a eu beaucoup d'embouteillages et d'un accident sur la route pour rejoindre son train et qui n'a donc pas pu le prendre, et comme elle était loin, elle n'a finalement pas pu nous rejoindre.
petit peu dommage sur l'intervention, un petit peu comme vous à l'instant, sur le déroulé de l'intervention, mais je vais essayer quand même de me rapprocher de ce que j'imagine qu'elle allait dire cet après-midi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la FRAP, c'est la Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens qui fédère aujourd'hui 140 associations et collectifs sur l'ensemble du territoire national et métropolitain. La FRAP a été créée en 2001, ce qui lui donne 20 ans cette année. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de lui faire un bel anniversaire, on y travaille. En tout cas, elle est née en 2001 pour faire connaître et reconnaître le rôle des associations et collectifs d'artistes, le rôle qu'elles jouent et qu'ils jouent pour la diffusion des arts plastiques et visuels sur l'ensemble des territoires. La FRAP, c'est aussi la toute première fédération du secteur à avoir fait une charte de déontologie en 2005. Cette charte de déontologie, j'y reviendrai peut-être, elle illustre dès le départ en fait deux grandes missions clés de la FRAP. Évidemment, comme je l'ai dit, faire reconnaître et rendre plus visible le rôle joué par les associations et collectifs sur le terrain, mais aussi, en parallèle, défendre des pratiques plus responsables, plus solidaires et structurer professionnellement l'ensemble du secteur. C'est là où il y aura un glissement sur mon intervention sur l'amélioration des pratiques des diffuseurs. C'est un petit peu dommage que Mika Lopez donc, ne soit pas là. Elle est coprésidente de la FRAP, on l'a dit. Elle est aussi artiste plasticienne. Elle est aussi coordinatrice d'une association qui s'appelle Volubilo en Occitanie. Et au travers de toutes ces expériences, elle était justement en capacité aussi de vous expliquer un petit peu tous les enjeux liés à ce que portent en réalité toutes ces associations et collectifs sur les territoires, pour mettre en lumière déjà, ça je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important, toute la diversité artistique qui est rendue lisible aussi grâce à tout ce travail qui est fait par les associations, et aussi la scène artistique et la scène artistique locale par exemple. Et je crois qu'on peut reconnaître aussi qu'elle participe beaucoup à l'émergence et à l'émancipation des artistes sur le terrain. Je voulais insister là-dessus parce que c'est un rôle, alors on s'en rend compte, la FRAP a 20 ans, je le disais, c'est un rôle qui reste encore maintenant assez méconnu. On va dire que c'est un travail au long cours, que de bien faire reconnaître tout ce travail, bien le rendre visible. En aparté, on vient de diffuser, de créer un site internet à la FRAP qui s'appelle l'Atlas des autres territoires de l'art, alors qui vient de dépasser largement le cadre strict de nos membres. Nos membres, ils ont signé la charte. Là, il s'agissait juste d'aller un petit peu plus loin dans cet objectif de rendre visible et donc de montrer tout ce qu'on a pu identifier. Et on n'a pas encore de prétention à l'exhaustivité, mais déjà un travail d'un an, grâce au soutien notamment de la DAGP et de la SAIF, on a pu faire cet atlas qui recense déjà 1200 associations et collectifs. Et c'est vrai qu'encore maintenant, alors, au national, ça commence à être assez bien compris, mais souvent, quand on va dans les régions, auprès des collectivités territoriales et des DRAC, il y a encore une grande difficulté pour eux, on a l'impression, pour elles, ces DRAC-là, à identifier justement toute la multiplicité de ces initiatives sur les territoires. Donc ça, je crois que c'est quand même vraiment important de rappeler le rôle qu'elles jouent. Voilà, pour la diversité, pour l'émergence, c'est vraiment très très important, et pour la scène locale. Et je le rappelle d'autant plus, j'appuie d'autant plus sur ce point-là que souvent il y a aussi une méprise dans les soutiens dont elles peuvent bénéficier de la part des collectivités territoriales notamment qui peuvent aider sur le fait qu'elles vont être aiguillées sur le rôle qu'elles peuvent jouer socialement en réalité. Et donc négliger un petit peu leur rôle dans la création et leur professionnalité en termes de culture et pas nécessairement de quartier politique de la ville, par exemple, pour être un peu caricatural, mais c'est encore aussi ce qui est souvent renvoyé. Alors, les bonnes pratiques de diffusion, la professionnalité de ces associations d'artistes, je crois qu'on en retrouve un certain nombre dans la charte, qui, à mon sens, montre quand même assez bien la professionnalité de ces acteurs et le rôle qu'ils peuvent jouer. Alors, je vais pas vous lire tout le papier que j'ai sous les yeux, mais je vais en lire quelques-uns. Donc, c'est une charte de 2005. Qui dit « Les membres de la FRAP participent à l'amélioration des conditions de la pratique artistique, notamment en contribuant financièrement et techniquement à la réalisation de nouvelles œuvres, en proposant des accueils en résidence, en organisant des expos et des événements, en développant des politiques éditoriales spécifiques, en accompagnant les artistes dans leur démarche de professionnalisation, en créant des outils au service de la communauté artistique, en développant la mutualisation de moyens d'information, de production, de diffusion, d'accueil, etc., en dispensant des formations professionnelles et en faisant des sessions d'information, en respectant le code de la propriété intellectuelle et en informant les artistes de leurs droits et de leurs devoirs. » Donc,
C'est vrai que c'est ça, la première mission de la FRAP, c'est bien de montrer tout le réseau, toutes ces initiatives qui maillent le territoire, tout ce qu'elles font, leur professionnalité, etc. Après, il y a une autre mission qui correspond plus à l'intervention que j'avais prévu de vous proposer cet après-midi. Bon, il y a une troisième mission, j'en parle quand même, parce que puisqu'on présente un petit peu la FRAP, on a une grosse mission de ressources et d'information ressources qui est vraiment un des piliers de nos actions. Et je pense que maintenant, on fait assez référence sur cette mission-là, mais elle n'entre pas tout à fait le cadre de l'intervention de cet après-midi. Donc, je le dis parce que c'est important pour situer ce qu'on fait. Mais ce dont je voulais vous parler cet après-midi, c'est plutôt donc, cette autre mission qui est vraiment le fait de porter la parole des acteurs associatifs dans les espaces de représentativité. Bon, je fais aussi là encore un petit détour, un petit aparté pour dire qu'on défend le fait qu'il doit y avoir une parole prise au nom des associations et collectifs d'artistes dans les espaces de représentativité. On prend aussi la parole beaucoup pour dire qu'il doit y avoir aussi celle des artistes et des artistes organisés. Vraiment, ne négligeons pas le fait de défendre l'importance que les artistes puissent avoir des espaces de parole dans les espaces de concertation. Et ça n'est possible réellement que s'ils sont sérieusement invités à le faire. Et invités, ça veut dire aussi qu'il y a des moyens financiers qui l'accompagnent, parce que pour eux, systématiquement, dans l'état actuel du dialogue social, on pourra en revenir si vous le souhaitez, les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs n'étant pas du tout soutenues financièrement, les artistes sont systématiquement en situation de bénévolat. Donc ça rend vraiment très très compliqué aussi d'avoir une parole organisée de la part des artistes. On parle beaucoup de structuration professionnelle, etc., mais les moyens qu'elle existe et qu'elle se mette en place sont vraiment aussi beaucoup dépendants de ça. Alors j'en parle, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que, pour être très clair, donc à la FRAP, on défend systématiquement les artistes, on ne les représente pas. Moi, je représente un réseau de diffuseurs, et en l'occurrence les diffuseurs associatifs, et c'est à ce titre-là qu'on siège, en l'occurrence c'est souvent moi, au Conseil national des professions des arts visuels, à la plénière, au bureau, à l'AFDAS pour la formation professionnelle, à la fois au conseil de gestion de la session particulière des artistes auteurs, mais aussi au bureau. En l'occurrence, c'est moi qui suis en représentation des diffuseurs dans les concertations nationales. On en parlait avec Nathalie tout à l'heure, notamment celle qu'il y a en ce moment sur la fiscalité, etc., les nomenclatures, ou même des concertations régionales. Et donc là, on n'est plus tout à fait sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc que Mika devait vous expliquer sur le rôle sur les territoires des associations. Là, c'est vraiment plutôt une prise de parole sur notre dimension plus d'organisation professionnelle, en fait, qui donc s'implique, œuvre à la structuration professionnelle du secteur dans les espaces de représentativité et pour la co-construction des politiques publiques. Nationalement, on fait ça aux côtés du CIPAC et du Comité professionnel des galeries d'art. On travaille vraiment de concert. On n'est pas les mêmes, hein, mais on, quasi systématiquement, en tout cas dans ces espaces-là, évidemment. Et on est très, très impliqués, justement, comme je disais, dans l'ensemble des travaux donc, du Conseil national des professions des arts visuels. J'insiste là-dessus, parce que j'ai vu qu'il était cité à un moment dans le programme, dans le CNPAV, et dans l'ensemble des groupes de travail qui le composent. Et je crois qu'il y en a notamment un, ça fait plus d'un an, même dès avant la crise, et la crise Covid a vraiment complètement accentué notre volonté qui se met en place. Il vient d'avoir une bascule et de nouveaux groupes, et c'est bien un groupe de travail sur l'observation, parce que je crois qu'on ne peut pas améliorer les pratiques, ni même interroger les conditions de l'amélioration des pratiques, si on n'observe pas un petit peu le secteur. Si on voulait aller plus loin, on pourrait même se rendre compte qu'en fait, on n'a pas encore vraiment les moyens de l'observer sérieusement, il n'y a pas de code APE, enfin, il y a vraiment des choses qui nous handicapent très sérieusement pour l'observer, donc ça, évidemment, on travaille aussi aux conditions de l'observation en amont, mais on fait aussi deux premières observations, et je crois que vous l'avez assez bien dit, il y a des choses qui sont très sues, mais des fois, ça va bien aussi de le dire avec quelques chiffres, donc je vais juste me permettre de faire quelques petits chiffres clés. Par exemple, à la FRAP, je disais 140 membres en 2020, 22 ont un budget supérieur à 100 000 euros, ça fait un peu plus de 15%, 27 entre 40 et 100 000 euros, soit 20%, 33 entre 10 000 et 40 000 euros, soit environ 23%, et 55 en moins de 10 000 euros par an, soit la majorité à hauteur de 40%. Un autre indicateur, ça peut être aussi le nombre de salariés, c'est-à-dire tout ce qui est fait et qui ne repose pas sur le travail des travailleurs professionnels non rémunérés, puisqu'on parle souvent de bénévolat, et nous on essaye de bien montrer que ce sont des professionnels non rémunérés dans ce contexte. En 2015, avec le CIPAC, on avait commencé à enclencher un travail sur la convention collective du secteur, alors convention collective côté salarié,
Il y a des choses qui se passent en ce moment qui se développent sur une convention collective aussi pour les artistes auteurs. Nous, c'était vraiment un travail employeur-salarié, donc dans un contexte plutôt de paritaire, peu importe. Et on avait fait une enquête donc au sein de la FRAP, et donc on était à moins d'équivalent temps plein en moyenne par structure. Ensuite aussi, au niveau régional, j'ai pris un petit peu au hasard sur les différentes observations qu'on a des travaux en saut d'avis, en concertation territoriale. En Bretagne, la majorité des adhérents d'art contemporain Bretagne à moins de 100 000 euros de budget annuel. Et en Hauts-de-France, 86% des structures ne sont pas employeuses. Donc je crois qu'on voit quand même bien un petit peu les moyens qui sont à disposition dans le secteur des arts visuels pour une amélioration des pratiques. Et qu'en tout cas, on ne peut pas non plus, c'est vrai, tout faire reposer sur les diffuseurs. On voit bien qu'ils ont des modèles économiques particulièrement fragiles. La FRAP qui représente les associations et collectifs, c'est absolument évident. Bon, cela dit, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même d'abord et avant tout pas oublier les conditions d'exercice et de travail des artistes auteurs et leur grande précarité, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure. Donc, parce qu'il y a quelque chose aussi que j'ai pas dit, c'est que donc la FRAP, c'est des associations et collectifs. 95% d'entre elles, à peu près, ce sont des lieux gérés par des artistes. Donc on est bien dans des espaces où ce sont des artistes en situation de diffuseur. Donc on emploie aussi souvent ces derniers temps une expression de créateur-diffuseur solidaire. C'est bien comme ça qu'on se positionne à la FRAP, ce qui justifie qu'on défende, qu'on est assis du côté des diffuseurs, mais on défense aussi des artistes de manière assez systématique. Donc c'est vrai que quand moi j'ai lu l'amélioration des pratiques de diffusion, pour nous, c'est impossible de l'aborder sans prendre comme premier critère la rémunération des artistes, en fait, et les conditions de travail des plasticiens. Là aussi, je reprends quelques chiffres. Là, vous avez peut-être entendu parler d'une parution, une petite année du DEPS, artiste plasticien de l'école au marché, je vous recommande. Et il y a un chiffre notamment qui dit, alors, en 2001, le revenu médian annuel d'un plasticien est de 10 582 euros. De 10 580 en 2016, donc en 15 ans, même si 2 euros c'est marginal, ils ont quand même perdu en revenu annuel, quand le niveau de vie a priori augmente, et quand le revenu médian des actifs du privé est de 20 000 euros net, soit environ le double. Donc c'est vrai que ça, c'est un constat, Nathalie, tu l'évoqueras peut-être, je crois que je ne vous apprends rien et je n'en ai absolument pas la prétention, tout le monde le sait, on voit émerger dans toutes les concertations territoriales des chartes, des référentiels de rémunération, des manifestes, c'est vraiment un travail où il est toujours bon de rappeler des chiffres et de bien placer le curseur. Néanmoins, je crois que maintenant, on le sait, et je crois que c'est clairement un enjeu, incontestablement, depuis quelques années, un enjeu crucial du secteur. Et on ne peut que se féliciter de voir que de plus en plus d'acteurs s'en emparent. Nous, on l'a vu aussi... Il y a une autre chose qu'on fait à la FRAP que je n'avais pas évoquée qui s'appelle la FRAP Info, qui est une liste de diffusion qui s'adresse à plus de 13 000 artistes. Et en fait, dans cette FRAP Info sont recensés des appels à projets, bourses, 1%, etc. Bon, c'est ce qui, d'ailleurs, c'est cette FRAP Info qui fait qu'on croit souvent qu'on s'adresse aux artistes. Mais l'idée, c'est vraiment de sélectionner dans les appels à projets tous ceux qui ont la condition sine qua non de rémunérer les artistes. Pour en fait diffuser un petit peu les bonnes pratiques. Et là, on a beaucoup de retours de plus en plus ces dernières années de diffuseurs à qui on peut dire non, là, votre appel, ça passe pas, etc. Et qui cherchent vraiment à améliorer leur appel, qu'ils le modifient. On évolue ensemble aussi pour tendre vers du mieux. Et notamment beaucoup de la part des collectivités territoriales. Alors bien sûr, les collectivités territoriales, c'est des diffuseurs occasionnels. Néanmoins, ils sont quand même très souvent en travail avec les artistes. Donc c'est intéressant de voir qu'eux aussi essayent de se former, de voir comment bien ou mieux faire. Donc tout avance dans le bon sens. Mais je crois qu'on en parlait avec vous, Jean-Christophe, quand vous m'avez appelé. Donc on venait, nous, de finir nos rencontres de la FRAP de cette année, donc co-construite avec le réseau de Centre Val-de-Loire qui s'appelle Devenir Art. Et dans nos rencontres, il était question justement des chartes, des bonnes pratiques, etc. Et on est arrivé sur la fin de cette conférence-là aussi à une nouvelle phase. Je pense, je ne suis pas la seule, je dis « je » parce que c'est moi qui parle, mais je crois qu'on s'est rendu compte quand même qu'il est question maintenant d'aller un petit peu plus loin quand même dans l'énonciation de ces bonnes pratiques et de tendre, ce qui rejoint ce que vous avez dit d'ailleurs, vers des consolidations beaucoup plus législatives ou réglementaires. En fait, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi arrêter de saluer les diffuseurs qui s'attachent à proposer une rémunération, mais en fait, vraiment de commencer à rendre impossible et obsolète les habitudes de non-rémunération, cette culture de la gratuité, dans un secteur où, en fait, le fond du problème, c'est qu'il est possible
de ne pas rémunérer le travail des artistes. Donc il faut cesser, en fait. Il faut trouver les moyens, parce que ce n'est pas si facile en réalité. Des lois existent, elles ne sont pas suffisamment coercitives, donc ça bloque un petit peu. Et donc ça fait qu'il y a quand même cette permanence de la possible non-rémunération qui est vraiment terrible, en fait, pour l'ensemble du secteur et pour les artistes. Par exemple, l'enquête en Hauts-de-France, là je cite l'enquête de Hauts-de-France parce que j'avais les chiffres sous les yeux, mais je crois que c'est une vérité qui se retrouve à peu près partout, l'idée n'est pas de les montrer du doigt, qui montre qu'un quart des structures interrogées n'a pas rémunéré les artistes en fait sur les années, etc., n'a pas pu proposer de rémunération. Et je crois que maintenant on ne peut plus entendre ou lire des choses comme ça, avec un diffuseur professionnel ne doit plus pouvoir émettre en fait un budget où la rémunération artistique est absente. Je crois qu'il faut que ces pratiques soient littéralement complètement qu'elles cessent. Bon, il y va bien sûr de la responsabilité des diffuseurs, mais il y va aussi de celle des partenaires publics de ne pas accepter ce type de budget aussi. Et donc pour conclure en fait, peut-être qu'on peut se dire qu'il serait temps aujourd'hui non pas d'améliorer les pratiques ou de convenir ensemble en groupe de pratiques honorables, ce qui est le système de charte, etc., mais qui est très très bien, hein, mais bien de les encadrer rigoureusement, et donc non plus de parler de diffuseurs solidaires, mais bien un peu d'assainir la loi et le cadre réglementaire, les conditions de partenariat entre les artistes et leurs diffuseurs, en systématisant la contractualisation et la rémunération. Merci beaucoup. Tu lances un film ? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Merci. Si. Ces rencontres sont enregistrées et donc l'ensemble des membres du réseau PAC sera amené à pouvoir écouter ces bonnes paroles. Qui sont partagées en fait, hein. Je n'invente rien. Parlons de vous, je veux dire, nous tous. Clairement partagées en tous les cas par le réseau PAC. On va lancer un deuxième film qui est le film de Laurence Vautier. Là encore une fois, on n'est pas dans l'ordre, si vous voulez bien. Merci beaucoup. C'est un film très très court. Salut Laurence. Alors je sais pas si l'art essouffle comme le sport, comme l'entraînement par exemple. C'est que pour réaliser une performance, il faut s'entraîner, il suffit pas d'avoir du talent. Il faut aussi avoir de la volonté, de la négation. Et je sais que tu en as. Je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas tout exploser au mois de juin. Donc évidemment, je suis derrière toi. Go, go, Laurent. Film très court d'une artiste basée à Nice sur son diplôme pour lequel elle a demandé les encouragements d'un coach sportif. Oui. Oui. Donc... La loi du plus fort. Nathalie Mindre, bonjour. Donc vous êtes spécialiste, on veut dire, sur le droit d'auteur. Oh, je n'irai pas jusqu'à. Non. Bon, en fait, votre intervention, en tout cas, porte sur le droit des artistes-auteurs. Et vous êtes membre de l'ADAGP. Je vous laisse présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis là en représentation de l'ADAGP, l'Association de droits d'auteur dans les arts visuels, graphiques et plastiques. Donc spécialiste non, mais l'ADAGP l'est, donc j'espère pouvoir porter la parole, cette parole que je partage ardemment avec Aurélie et Julie. Et je remercie le réseau PAC de nous permettre de la partager avec vous, parce qu'effectivement, à l'image de ce coach sportif, l'ADAGP encadre les droits d'auteur des artistes qui, selon une étude, puisqu'on parlait un peu chiffres, effectivement, j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit très concret aussi sur la réalité des choses. Une enquête qu'on a réalisée il y a 11 mois après le début de la crise, auprès de plus de 2000 artistes, membres et non membres de l'ADAGP, et qui ont déclaré que les droits d'auteur étaient la deuxième source principale de rémunération dans le cadre de leur activité artistique, avec 18% de l'ensemble des revenus contre 23% des ventes d'œuvres, les aides qu'on a un peu évoquées précédemment arrivant en troisième position. Donc je crois que là, on voit qu'il y a un vrai enjeu de la question de la rémunération des artistes, et c'est ce que l'ADAGP s'attache à défendre et à promouvoir. Et là, on parle de mutation. Je voulais juste vous faire partager un constat des choses qui sont en train de bouger du côté du droit d'auteur. Juste pour rappel, au niveau de l'ADAGP, pour vous donner un peu sa dimension, c'est plus de 196 000 artistes dont les intérêts sont défendus à travers le monde grâce à des accords de réciprocité avec plus de 50 sociétés sœurs.
Et quand on disait qu'il fallait replacer les artistes au sein de la concertation, c'est ce qui est fait à la DAGP, puisque la DAGP est constituée dans son conseil d'administration uniquement d'artistes et d'ayants droit. La DAGP représente... Oh, vous inquiétez pas, c'est gentil, merci. La DAGP représente plus de 40 disciplines dans les arts visuels. Ça va de représentations qu'on a l'habitude de mettre derrière les arts visuels, comme la peinture, la sculpture, la photographie, mais on est aussi présent sur des disciplines relevant de la bande dessinée, des auteurs d'art visuel dans l'écrit, d'artisanat d'art aussi, parce que c'est un répertoire qui a peu connaissance de ses droits, mais qui est très présent au sein de la DAGP, puisque ce sont des créateurs et à part entière. Le droit d'auteur, moi, comme je vous disais, ça revêt une réalité assez large, des fois un peu ubuesque. On le disait, ça nécessitait d'être encadré parce que c'est peut-être un peu méconnu, mal maîtrisé, autant par les utilisateurs que par les artistes, qui ont des fois une crainte ou une inquiétude, justement, à vouloir formaliser cette question-là par peur d'aborder des sujets qui fâchent, comme on a employé l'expression, et que la société d'auteurs à DAGP permet justement de formaliser, d'encadrer et de conseiller. Là où je voulais en venir au niveau des mutations des droits d'auteur, c'est sur certains types de droits. Dans les droits d'auteur, vous avez trois catégories de droits, on va dire les droits de représentation et de reproduction, les droits collectifs et le droit de suite. Dans chacune de ces catégories-là, il y a des évolutions en cours et c'est important de les suivre puisque ça comporte des enjeux, comme on l'a vu en introduction, assez importants sur la capacité des artistes à pouvoir créer, du fait qu'ils sont justement rémunérés pour leur création. Dans les droits de reproduction et de représentation, on l'a vu, l'ère numérique est présente et d'autant plus actuelle que la crise sanitaire en a révélé le champ des possibles. Et ce champ des possibles est assez large pour que l'encadrement soit absolument fondamental. Donc, pour rappel juste, les droits de reproduction et de représentation, c'est la capacité pour un auteur d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son œuvre sur quelque support que ce soit, dont notamment les exploitations numériques. Et là, on touche notamment aux réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas soumis aux règles de droit d'auteur, malgré la reproduction massive d'œuvres protégées sur des sites comme Facebook, Instagram. Et il y a une directive actuellement du droit d'auteur sur le marché unique numérique qui fait l'objet d'une transposition. Donc, je vous passe les détails techniques. Mais voilà, la DAGP travaille aux côtés des autres institutions européennes pour la bonne transposition et l'adaptation, voire de cette directive, afin que les auteurs soient justement rémunérés pour la diffusion de leurs images sur ces plateformes. Alors, on n'a pas attendu que cette directive doive être édictée et transposée dans le droit pour négocier des accords, notamment avec les plateformes YouTube et Dailymotion, qui sont deux plateformes qui, depuis 2010, font l'objet, avec notamment aussi une autre société d'auteurs, la SACD, d'un accord qui permet la rémunération juste et adaptée correspondant à l'exploitation des œuvres des créateurs par les fournisseurs de contenu. Parce que c'est ça l'enjeu, en fait, c'est que ce sont des organismes qui se retranchent derrière leur rôle d'hébergeur de contenu et non pas de diffuseur de contenu. Il y a un autre droit dans le droit de reproduction et de représentation qui est fondamental et que je pense la frappe met en avant également auprès de ces structures, c'est le droit d'exposition. Ça, c'est le droit d'exposition découle du droit de représentation directement. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une présentation publique d'une œuvre, ne pas s'acquitter des droits d'exposition consiste une atteinte en fait, au droit d'auteur. Et en fait, on a eu en 2019, très récemment, puisque le droit d'exposition est prévu par la loi depuis très longtemps, des recommandations du ministère de la Culture. Donc on est bien là aussi dans un contexte non coercitif, qui ne vise qu'à faire des recommandations sur les modalités de paiement de ce droit d'exposition par les organismes qui diffusent les œuvres des artistes. Donc,
certains centres d'art et musées qui ont reçu une labellisation particulière type Musée de France doivent satisfaire à une obligation de rémunérer le droit d'exposition aux artistes plasticiens. Donc ça, je pourrais vous détailler les rémunérations qui ont été prévues, mais ça reste encore au stade des recommandations. Alors la DAGP s'est mise aussi en avant et vent debout pour anticiper les bonnes pratiques et négocie des contrats généraux avec les centres d'art, les FRAC, les musées, pour que dans toutes les conventions qui sont conclues avec ces lieux d'exposition soit obligatoirement inclus le droit d'exposition. De même manière, et ça me fait venir à un autre droit qui, peut-être vous l'avez vu, était mis sur la sellette et qui là fait partie des droits collectifs, qui est le droit pour la rémunération pour copie privée. Et j'en viens là parce que ça permet de financer un nombre incalculable, même s'il faudrait en donner un chiffre. Tout du moins, à la DAGP, c'est une centaine de festivals, mais selon Copie France, c'est quand même plus de 10 000 festivals, salles de spectacle et projets culturels soutenus dans tous les territoires par le biais de cette rémunération-là. Donc la rémunération pour copie privée, c'est une ressource essentielle pour le soutien à l'activité artistique, puisque, comme vous le savez peut-être, c'est une part des droits d'auteur qui sont prélevés directement sur l'achat de matériel de stockage à usage privé, comme un ordinateur, un disque dur, une clé USB, des tablettes, qui sont dédiés à l'action culturelle. Donc vraiment, 20, pour être très précis, 25% de la rémunération pour copie privée est dédiée à des actions de soutien à l'activité artistique. Donc là, tu mentionnais l'Atlas, c'est exactement ce qui a pu nous permettre, au niveau de la DAGP, mais aussi au sein de la CEF, qui a soutenu le projet de l'Atlas de la Frappe, de dégager des financements pour soutenir cet outil de ressources qui fonctionne très bien et qui justement aide les artistes. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est qu'on voit que là on a vraiment affaire à un droit qui non seulement vient assurer une rémunération à un artiste, mais qui en plus profite à la création artistique dans sa globalité. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que sur les produits reconditionnés, il y avait une demande d'exonération de cette redevance copie privée, au prétexte que les fabricants qui revendaient ces produits reconditionnés auraient déjà payé une première fois et que ça allait freiner la consommation de produits reconditionnés, donc une économie solidaire et sociale qui serait adaptée à des modes de consommation plus responsables. Les sociétés de droits d'auteur se sont mobilisées, vous l'avez peut-être vu, et récemment, donc le 10 juin, c'est vraiment l'actualité brûlante, il y a eu adoption avec effet immédiat d'un texte qui trouvait un compromis et qui permet quand même que les revendeurs de produits reconditionnés payent la redevance pour copie privée avec certes des aménagements, mais tout de même, ça va quand même permettre de préserver ce fonds qui est absolument indispensable. Juste pour vous illustrer justement la portée de ce fonds, donc je vous disais, plus de 100 festivals, salons et autres actions soutenues chaque année par la DAGP, c'est aussi des bourses qui sont proposées aux artistes, mais pas que, aussi aux structures de diffusion. Et vu qu'aujourd'hui on est sur cette cible-là, je voulais vous parler de deux bourses dont les appels à candidature sont actuellement en cours. C'est la bourse monographie qui est réservé aux artistes, mais qui se fait en partenariat avec un éditeur, un centre d'art ou une galerie pour financer un projet éditorial d'une première monographie ou un catalogue raisonné. Donc c'est quand même une bourse qui va à 15 000 euros et qui est à se partager entre l'artiste et son diffuseur, éditeur. Je vous parlerai aussi de la bourse Connexion qui là est à hauteur de 30 000 euros et qui permet d'aider un lieu d'exposition à financer une exposition d'un artiste, soit donc une exposition monographique ou d'un collectif d'artistes, avec le critère fondamental qu'il soit en coproduction avec un pays à l'étranger ou que l'exposition soit prévue comme itinérante à l'étranger. Donc ça, c'est pour privilégier la dimension internationale de la scène artistique française. Donc on a quand même des illustrations de la portée de ces droits et qu'ils ne sont en fait jamais acquis. Il faut vraiment que les artistes aient ça
en tête et que les diffuseurs aussi mesurent l'enjeu, parce qu'il y a énormément de difficultés financières aussi du côté des diffuseurs pour justement boucler leur budget, où les droits d'auteur servent trop souvent de variable d'ajustement, alors qu'en fait c'est ce qui va aussi structurer l'économie de la création artistique, tant du côté des artistes que des diffuseurs. Il y a une autre, pour finir sur l'autre type de droit qui nous paraît essentiel aussi, qui est le droit de suite, qui est vraiment dédié, spécial pour les arts visuels. C'est une spécificité pour que les œuvres qui sont revendues en, donc en second marché puissent, dans le cas où elles génèrent une plus-value, bénéficier à l'artiste ou à ses ayants droit. C'est un droit de suite que la DAGP promeut comme à l'avenir, dont on espère dans un avenir proche, puisse être universel, puisque beaucoup de pays, pour l'instant, ne reconnaissent pas le droit de suite. Pour ne citer que les plus importants, en tout cas en termes de marché de l'art, la Chine et les États-Unis, alors qu'on voit que c'est quand même une assurance que l'œuvre vit au-delà de la vie de l'artiste et de la création primaire et de l'exploitation première qu'elle engendre. Comme on le disait aussi, la principale action d'un vrai acteur qui s'engage aux côtés des artistes, c'est de suivre leurs mutations à eux, leurs évolutions. Et pour ça, la DAGP les accompagne tout au long de leur vie de membres de la DAGP, parce qu'il y a beaucoup de commissions qui sont dédiées à certains répertoires de la DAGP, donc qui sont spécialisées par discipline et qui nous permettent d'acquérir une expertise dans certains domaines, puisque les enjeux pour les auteurs de design n'est pas forcément le même que pour un auteur de BD ou que pour un vitrailliste, pour prendre des exemples très épars. Donc la DAGP se mobilise pour dispenser des informations régulière auprès de ses membres sur comment fonctionne la DAGP, sur les droits d'auteur, et aussi dispense des ateliers professionnels qui sont des sessions de formation qui la visent vraiment à répondre en petits groupes à des problématiques soit métiers, soit transverses, mais en tout cas à lever des freins pour que les artistes puissent développer leur activité. Et de manière très transverse et régulière, quotidienne, c'est le conseil juridique que notre service dédié dispense à nos membres et aussi parfois nos non-membres, qui est gratuit et qui permet non seulement la relecture de contrat, le conseil en amont, surtout en amont, pour éviter effectivement de jouer le rôle de pompier, même si ça nous arrive assez fréquemment, mais voilà, que malheureusement, ça nous laisse peu de capacité d'action. Mais en intervenant en amont, il est toujours possible d'encadrer, de défendre en fait les intérêts des artistes. Et comme le disait Aurélie, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir sur la capacité à s'adresser à des professionnels du juridique, de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur pour quelques questions que ce soit. Ce sont des choses qui ne doivent pas, encore une fois, servir de variable d'ajustement. Pour que justement les droits d'auteur ne soient pas la variable d'ajustement, la DAGP est assez proactive et a conclu récemment un accord avec Google, aux côtés de la CEF aussi. La CEF, c'est la société de droits d'auteur aussi dans l'image fixe, qui a le même périmètre d'action que la DAGP. Et cet accord vise à soutenir et rémunérer les auteurs des arts visuels dans le contexte numérique. Donc là, on boucle la boucle, on est vraiment dans l'actualité. C'est un accord qui est prévu pour 10 ans et qui prévoit même la mise en place d'un fonds pour les artistes membres de la DAGP et de la ACF pour soutenir leur développement artistique professionnel et les accompagner dans le déploiement de leur activité à l'ère du numérique. Ça prévoit aussi un programme de licence pour l'utilisation en France des œuvres du répertoire de la DAGP et de la CEF sur les différents produits et services de Google. On est aussi, comme je vous disais, dans la négociation en cours avec d'autres plateformes. Je vous ai cité YouTube et Dailymotion qui sont déjà des accords conclus, mais on ne désespère pas de conclure avec Facebook et Instagram qui commencent à comprendre qu'effectivement, ils ont une question de responsabilité dans la diffusion et l'exploitation des œuvres qu'ils dispensent sur leur plateforme. Donc voilà pour conclure les mutations qui sont en cours. On l'a vu dans le film précédent sur l'importance de respecter le droit d'auteur, parce que derrière une création, il n'y a pas que
à un artiste, c'est aussi un esprit de l'œuvre. Il y a énormément de personnes qui concourent à la création d'une œuvre. Et respecter ses droits, c'est respecter les œuvres. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer à vos questions, et pour vous laisser le temps d'y réfléchir, nous allons vous montrer un film du regretté Eric Vickers. Tout le temps dans le désordre. Bon, un catalogue, n'importe quel catalogue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un catalogue ? Catalogue, sentiment que je vais un peu me répéter, mais le catalogue, catalogie, c'est le contraire d'analogie. Enfin, bon, on est toujours dans des racines grecques, alors analogie, c'est une proportion ana qui monte, comme dans l'anabase, hein, on monte, catabase, on descend, cata, des images à côté. Donc ça ne compte pas du tout, ça ne compte pas du tout dans un catalogue, les textes ne comptent pas du tout. Oui. Bonjour, Soumia Benjedir, je voudrais poser une question à la dame de la ADGAP. La DGP. ADGP, oui. On secoue mes mots dans le genre. Je suis désolée. Je me posais la question, parce que vous parliez de YouTube, vous parliez des réseaux sociaux. Pourquoi on aurait toujours une vision de, quand on cite un artiste, il faudrait payer, alors qu'on pourrait avoir une vision complètement différente avec cet angle que... moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube ou même des Insta de personnes qui sont passionnées et du coup qui parlent des œuvres qu'elles ont vues, des artistes, des musées. Et comme ce sont des influenceurs, c'est ces gens-là qui nous emmènent à connaître tel artiste, à avoir envie de le suivre, à avoir envie de l'acheter. Et si j'ai bien compris le principe, c'est ces personnes-là devraient payer pour faire la promotion. Enfin, il ne pourrait pas y avoir un accord plutôt que de toujours avoir une réflexion. Vous citez, alors que vous allez emmener justement une plus grande démocratisation de l'art, vous citez, donc vous apportez une plus grande notoriété à l'artiste au lieu d'exposition, et ben boum, vous payez. Alors juste pour préciser, ce ne sont pas les personnes qui mettent en ligne sur les plateformes qui vont être soumises à paiement de droits d'auteur. C'est l'outil, en fait, qui permet, effectivement, de... J'ai bien compris le sens de votre question. Vous dites, vous, que c'est un outil de promotion pour les artistes qui verraient être, embêtés pour payer des droits d'auteur. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que le droit d'auteur, et Aurélie, tu compléteras si ma définition n'est qu'approximative, mais le droit d'auteur existe parce qu'il y a une exploitation d'une œuvre au bénéfice d'un développement économique. Donc si YouTube se développe économiquement parce qu'il permet de montrer des œuvres, sur quel plan vous mettez la rémunération de l'artiste, puisque YouTube se développe économiquement au bénéfice de l'artiste. Alors, j'ai bien compris que le développement de sa notoriété à l'artiste va finir par retomber sur lui, selon votre logique, par l'intermédiaire de YouTube. Mais comme tous les artistes ne vont pas bénéficier de cette notoriété-là, et que pourtant les images sont vues, l'idée c'est de faire un accord général, un accord collectif en fait, si vous voulez, qui permet de définir un montant global de droits d'auteur qui ne va pas du tout être gênant pour une utilisation individuelle. C'est-à-dire que c'est pas à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il y a YouTube qui va publier une vidéo, qui va devoir payer de droits d'auteur, surtout que celle-ci, selon des barèmes, devrait différer si la longueur est plus ou moins longue, enfin si le nombre de vues, enfin ça serait complètement ingérable. Donc là, c'est un montant de droit global pour avoir cette
de monopole parfois aussi, hein, il faut voir aussi leur situation économique, sur leur modèle qui est je diffuse des œuvres, j'existe grâce à ça, je me développe économiquement grâce à ça, les artistes certes en reçoivent un bénéfice, mais je pense que YouTube en reçoit encore un plus grand, si je peux me permettre. Me paraît peut-être risqué, c'est que bon, je regarde beaucoup quand je vous ai dit ces vidéos-là. D'abord, elles n'ont pas des milliards de vues comparées à ceux qui font juste des blagues ou des trucs débiles. Donc, moi, si je suis YouTube, je ne le suis pas, mais on aurait tendance à se dire bon, il y a un où je vais devoir payer et il n'y a finalement pas tant de vues. Et de l'autre côté, j'ai des vidéos dans lesquelles il y a des choses parfaitement débiles qui ne me coûtent rien du tout. Donc, est-ce que ça ne va pas pousser des gens à faire des trucs complètement débiles qui du coup, ne coûtent rien à YouTube, ne coûtent rien à la personne, et du coup, bah, c'est un petit peu... on coupe la branche sur laquelle on est assis. Parce que le principe... c'est surtout de rajouter de la notoriété à l'artiste. Et quand vous dites y a certains artistes qui ne bénéficient pas de cette notoriété, eh ben, ils n'en bénéficient pas. Du coup, ça ne change rien pour eux parce que ça veut dire qu'on ne parle pas d'eux. Donc, ça, je veux dire, c'est pas parce qu'on va faire. YouTube va donner de l'argent qu'ils vont avoir plus de notoriété. Oui. Vas-y, tu veux compléter ? Si je peux me permettre juste une petite réaction. Parce que je suis présidente du réseau, mais je suis aussi artiste plasticienne. Et c'est souvent ce qui est agité au nez des artistes. Et c'est la raison, une des grandes raisons pour laquelle les artistes travaillent gratuitement. C'est qu'on agite le hochet de la notoriété. Et vous serez sûrement surprise de savoir certains artistes qui sont fameux ou qu'on voit, qui exposent pas mal et qui, eux aussi, sont dans une forme de précarité assez forte. Parce qu'on ne vit pas de notoriété. Et ça, c'est... Il y a vraiment la question de se dire... Là, vous dites, voilà, sur YouTube, ça pourrait être comme ci, comme ça. Mais en fait, à quel moment on commence à respecter le droit ? Est-ce que si je suis fameux sur YouTube parce qu'on fait ma promotion, je vais ensuite exposer peut-être dans un endroit ? Et là encore, on va me dire, mais non, mais ça augmente ta notoriété. Et à quel moment on commence juste à respecter le droit ? Parce que tous les droits dont tu parlais, mis bout à bout, alors que chacun, en fait, ce sont des petites sommes dont on parle. Mais mis bout à bout, l'artiste sort de la précarité dans laquelle il est. Et il sort aussi d'un système de demande d'aide. En fait, il fait partie d'un système économique. Pourquoi ne serait-il pas rémunéré au même titre que tout le monde qui travaille ? Comme je suppose, tous les gens qui travaillent, en fait, sont rémunérés. Ce qui alimente le contenu de la vidéo dont vous parlez, c'est le travail de quelqu'un. Donc, en fait, le travail, il est déjà là. Il mériterait, en fait, que font les YouTubeurs et tout ça s'il n'y a pas de ces vidéos ? On ne peut pas mettre en regard... vous voyez ce que je veux dire ? Merci à vous. Je voulais compléter, éventuellement rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit à l'information, c'est une exception au droit de l'auteur qui est prévue dans le code de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que le principe, c'est que les droits d'auteur sont protégés et donc les contenus protégés par le droit d'auteur ne peuvent pas être utilisés sans l'autorisation de l'artiste. D'accord ? Ça, c'est le principe. Et il y a des exceptions qui sont posées, et notamment le droit à l'information. Le droit à l'information, c'est une exception qui permet de contourner le droit d'auteur, c'est-à-dire que ça permet au titre de presse d'utiliser du contenu protégé par le droit d'auteur sans autorisation, mais le code prévoit bien que c'est dans un but immédiat d'information du public. Donc c'est là que peut-être il y a quand même aussi une différence qui est de taille, c'est que quand un magazine de presse critique de cinéma, par exemple, puisque vous parliez de film, mais bon, ça peut être aussi sur les arts graphiques et visuels, va faire une critique
et parler d'une exposition ou parler d'un film, on est dans l'exception du droit à l'information. On ne demande pas à l'artiste l'autorisation de faire la promotion, enfin pas la promotion, l'information sur son œuvre. Dans le cas d'une vidéo d'un influenceur, on en connaît enfin, de près ou de loin, c'est peut-être moins notre génération, mais en tout cas, on sait très bien que ce n'est pas une information immédiate du public. Le but de ce type de vidéo est aussi de faire l'influenceur fait sa propre promotion. C'est quelque chose, il va utiliser une œuvre préexistante presque comme prétexte, des fois, à son travail. Et là, pareil, je pense qu'il n'y a absolument pas de jugement de valeur à porter, ni sur le travail de l'artiste, ni sur le travail de l'influenceur. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une notion juridique qui est reconnue par les tribunaux, la valeur de l'œuvre. On pense qu'on en veut. Et donc, voilà, je voulais juste rapporter cette précision, c'est que dans le cadre d'une vidéo d'un influenceur sur YouTube qui va parler peut-être d'un film et choisir des extraits, des fois même faire des parodies, des choses comme ça. Alors ça, c'est aussi une exception au droit d'auteur, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas la même chose que l'exception au droit à l'information, qui doit vraiment être une information immédiate du public, une stricte information immédiate du public. Merci, bonjour. Moi, j'ai une petite question purement juridique. Je suis directrice du Centre d'art à Istres. Donc, on est en régie directe par la métropole. Donc, on est une institution publique et on fait des contrats de prestations de services avec les artistes. Et quand on fait venir un artiste, il expose. Et souvent, il produit une œuvre pour l'exposition. Donc, on contribue aussi à son soutien et à sa production. Et l'œuvre lui appartient. Il repart avec son œuvre. Elle n'est pas dédiée au bâtiment. Donc, moi, ma petite question, c'est de savoir si dans les contrats que l'on fait avec eux, on doit bien spécifier tous ces droits-là. Ou est-ce qu'on peut... Parce que nous, on fait des contrats de prestations à titre onéreux. Et dedans, on met tout. En fait, on met un montant global qui va représenter le droit de représentation, enfin, le droit d'exposition, les droits de cession, les droits d'auteur, la production, le matériel qu'il va utiliser. Est-ce qu'on a une obligation ou est-ce qu'il faut tout détailler ou pas ? Enfin, voilà, c'était un peu une question purement juridique. Pardon. Oui, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que vous faites des contrats de commande, en fait, qui comprennent la fabrication de l'œuvre, et donc ces contrats, ils doivent impérativement comprendre une clause de cession. Elle est inclue dans le contrat, une clause de cession de droit d'auteur, clause de propriété intellectuelle, vous l'appelez comme vous voulez, propriété intellectuelle, cession de droit, etc. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la rédaction d'un contrat, ça ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire que c'est le code de la propriété intellectuelle qui impose le mode de rédaction des clauses et qui impose strictement le fait, notamment, que tous les modes d'exploitation doivent être prévus dans le contrat. Donc, oui, vous devez détailler impérativement tous les modes d'exploitation. Donc, ce que disait Nathalie, le droit de représentation, tout ce qui va être compris dans l'autorisation donnée par l'artiste et doit être détaillé le plus précisément possible. C'est pour ça aussi qu'il y a une difficulté souvent de compréhension des contrats, parce qu'on est, un peu obligé de faire comme ça. Alors, on a des trucs, des fois, pour simplifier la rédaction, mais en même temps, à trop simplifier, des fois, ça passe à l'as. Donc, il faut faire attention. Donc, oui, il faut détailler chaque mode d'exploitation. Il faut vraiment être conscient que, ça, c'est reconnu par la jurisprudence, il n'y a pas de cession implicite de droit d'auteur. Ça n'existe pas, la cession implicite. On ne pourra jamais dire à un artiste « Oui, mais on s'était dit que... » ou « Forcément, oui, forcément, tu me cèdes les droits de représentation. » Donc, tu te doutes bien qu'il y a des réseaux sociaux ou qu'il va y avoir un catalogue. Donc, oui, ça en découlait. Non, il n'y a pas de cession implicite. Donc, il faut que tout soit détaillé.
avec la durée, le lieu, donc voilà, la zone géographique, la durée des droits et chaque mode d'exploitation. Après, la rémunération, elle n'est pas forcément détaillée. Voilà. Le principe, c'est la rémunération proportionnelle aux recettes et le Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité d'une rémunération forfaitaire quand le calcul de la rémunération proportionnelle n'est pas possible. Mais donc oui, vous n'allez pas détailler combien il y a d'euros pour le droit de représentation, combien pour le droit de reproduction. Mais par contre, dans le détail des droits, des modes d'exploitation, il faut tout détailler le plus précisément possible. Juste élargir un peu cette question et rebondir sur ce qui a été dit avant. Ce qu'on constate quand même, c'est que il y a une. Ce que je constate en tout cas chez les artistes, il y a sûrement des artistes dans la salle, mais en tout cas les structures se forment, les gens qui sont formés à faire ce métier. Il y a un manque, une vraie lacune de connaissances, je pense, du côté des artistes qui ne sont pas, n'ont pas la connaissance, n'ont pas la conscience de leurs droits, signer des contrats qui sont de toute façon incompréhensibles pour un non-juriste. Même des fois, les juristes, on s'arrache les cheveux dessus. Donc, c'est des fois tout un travail dans les contentieux d'essayer de décrypter des contrats. Même les juges, c'est des fois très compliqué. Donc, pour un non-juriste, c'est très compliqué. Pour des artistes qui ne sont pas formés, qui ne sont pas juristes, c'est très compliqué. Parce que je pense qu'il y a il y a un problème moi, que j'aimerais soulever, c'est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de formation dans les écoles d'art. Ça, pour moi, c'est un mystère. On parle aujourd'hui d'entrepreneur culturel. Il y a quelques années, c'était encore un peu un gros mot de mettre entrepreneuriat et culture dans la même phrase. Aujourd'hui, ça y est, c'est plus un tabou. Il y a le Forum Entreprendre pour la Culture depuis plusieurs années. On parle d'entrepreneuriat culturel. L'artiste est un entrepreneur. L'artiste, son statut, c'est d'être travailleur indépendant. Et l'artiste, je pense que c'est peut-être l'une des professions qui est le plus confrontée au contrat dans sa carrière. Un salarié va signer peut-être 5 contrats de travail dans sa vie. Des prestataires de services ne signent pas vraiment de contrat, on fait des devis et on édite des factures. L'artiste, lui, va signer à chaque. Si ça se faisait dans un monde idéal, où il y a des contrats à chaque fois et une rémunération à chaque fois, mais normalement, voilà, l'artiste va conclure un contrat à chaque fois qu'il va exposer ou vendre ou autoriser d'une manière ou d'une autre son contrat. Et je pense que très peu d'artistes, en tout cas débutants, jeunes, sortant de l'école, savent ce que c'est, dont Nathalie a parlé. Le droit d'exposition. Ah bon, il y a un droit d'exposition et je dois le céder et puis je peux être payé pour ça, je ne savais pas. Combien d'artistes sont au courant du droit de suite ? Le droit de suite, c'est un droit qui est effectivement qui est très ancien dans le code de la propriété intellectuelle. Donc le fait de percevoir une rémunération, l'auteur dans les arts graphiques et plastiques uniquement, mais perçoit une rémunération quand son œuvre est revendue par un professionnel du marché de l'art, il doit percevoir une rémunération. Combien d'artistes sont au courant de l'existence de ce droit ? Je ne pense pas beaucoup. Et ça, de ne pas connaître non plus, de ne pas être informé des possibilités d'exercice de la profession, on est travailleur indépendant, sous quel statut, comment je facture, comment je fais une note d'auteur, etc. Et ces jeunes ou moins jeunes se retrouvent sur le marché du travail confrontés à ça, confrontés à des contrats en plus très complexes parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas vraiment simplifier les contrats de cession de droits d'auteur. On est contraint par le code de la propriété intellectuelle. Et donc, ils se retrouvent avec ces interrogations. Et donc, les structures, des fois, font le mieux qu'elles peuvent pour proposer des contrats avec les connaissances qu'elles ont ou les moyens qu'elles ont. Et puis, à côté de ça, les artistes, des fois, signent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que, déjà, sinon, ils ne sont pas exposés, et puis parce que, sinon, parce que, de toute façon, ils ne comprennent rien à ce qu'ils signent.
et puis que c'est trop cher d'aller voir un avocat. Alors heureusement, il y a aussi des solutions gratuites qui permettent d'être accompagné. Mais il y a un vrai problème, je trouve, de formation. Et c'est très dommage que ce ne soit pas enseigné, qu'il n'y ait pas un module de formation dans les écoles d'art. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, à Paris, j'étais intervenue à Sup de Pub. Alors, c'est pas le domaine artistique, mais quand même, c'est des élèves qui vont être confrontés au milieu du travail et à céder leurs droits de propriété intellectuelle aussi. Et ça avait vachement intéressé les étudiants parce que c'est pour le coup quelque chose de très... Ils sont en demande de ça. Oui. Ça marche ? Ouais. Excusez-moi, j'ai vu, c'est juste... En fait, ça se développe énormément maintenant dans les écoles, des sessions d'information. La FRAP en assure vraiment beaucoup, par exemple. Mais c'est un problème que vous soulevez, qui est un problème de fond. On en a parlé encore il n'y a pas très longtemps. L'idée, c'est que si ce n'est pas validé par une certification, d'une manière ou d'une autre, faire une session d'information, c'est bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc en fait, ça se développe, c'est sûr, mais en fait, c'est encore une autre démarche, d'autres avancées qui doivent absolument avoir lieu dans les écoles d'art et dans les universitaires plastiques aussi, pour en effet permettre aux artistes d'arriver en situation de professionnels qui sont en capacité d'assurer leur administration et leur statut dès le départ. Avoir cette capacité de négocier aussi, hein, parce qu'on ne signe pas un contrat. La question de la légitimité, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'information, il faut aussi après pouvoir asseoir ça, le discours, face à des personnes qui sont peut-être de bonne foi mais qui ne connaissent pas, soit qui essayent un peu de profiter de la situation. Donc des personnes vraiment averties, informées et conscientes des enjeux, surtout que ça implique de bien connaître ses droits et de les maîtriser, c'est aussi garantir la qualité après des relations contractuelles qu'ils vont avoir avec leur diffuseur. Après, vous parliez tout à l'heure du contrat et de ce qu'il fallait que ce soit détaillé. Je me posais la question au moment de la facturation. En fait, peut-être qu'aussi détailler la facturation, c'est aussi savoir pourquoi on est payé et par rapport à la structure qui paye, qu'est-ce qu'on doit payer ? Parce qu'on a déjà, au-delà du fait du droit d'auteur, droit d'exposition, etc., on est souvent confronté, les artistes, à une espèce d'enveloppe globale pour nos honoraires, l'expo, le matos. Enfin, donc tout ça, c'est assez... il y a tout. et à nous de démêler ça, mais c'est vrai que après, peut-être de façon très simple, une facture détaillée peut-être peut être aussi plus qu'évocatrice des droits... Il y a une particularité aussi quand on est membre d'une société d'auteurs, c'est que l'utilisateur doit faire une demande d'autorisation préalable à l'utilisation d'une œuvre. Il doit donc détailler auprès de la société d'auteurs les utilisations qui vont être faites de cette œuvre, l'image de cette œuvre. Donc ça permet de faire un devis et donc à la structure utilisatrice ou l'utilisateur d'être informé en amont de au moins le poste, le budget droit d'auteur. Combien il va s'élever en fait, et du coup d'inclure dans son contrat tel que le devis va être rédigé, puisque là il y aura toutes les lignes bien encadrées avec non seulement on n'est pas rentré dans le détail mais Roy l'évoquait, la durée de la cession de droit, la territorialité, tout un ensemble de critères qui doivent être forcément inclus. Et quand on dit cession de droit, c'est toujours un peu aussi un vocable que j'ai remarqué être un peu difficilement intelligible de la part des artistes, parce que dans CD, il y a la notion de gratuité encore. Ils sont tellement dans cet univers-là que céder ses droits, c'est les donner. Et en fait, c'est cession à titre payant, cession à titre non onéreux. Alors, il peut y avoir après des modulations dans cette cession de droits, il y a des usages commerciaux, etc. Mais cession de droits ne veut pas dire gracieux. Voilà. Après, alors, nous, donc, je fais partie de la même collectivité, donc la collection de l'Artothèque. Et là aussi, justement, avec l'association des artothèques, l'ADRA, on est en train de réfléchir, parce que du coup, là, c'est encore autrement compliqué, parce qu'on veut bien, par rapport à la ligne, mais là, évidemment, une fois qu'on prête l'œuvre, qu'est-ce que la personne qui va l'emprunter va faire avec, comment il va le respecter, comment tout ça. Donc là, on arrive dans vraiment quelque chose de très compliqué, avec des collections qui ont plus de 30 ans, donc des œuvres qui ont été achetées où il n'y avait pas du tout de contrat, d'autres, si. Donc là, on a vraiment... on ne peut même pas mettre sur Internet, donc du coup, la collection. Le public qui ne comprend pas pourquoi on ne peut pas, nous, au sein d'une médiathèque, ne pas avoir les tableaux à voir, qui n'a que les titres.
donc, que sur la tablette. Voilà, on est vraiment entre, on va dire, une contre-productivité puisqu'il y a besoin de diffusion. Et en même temps, donc on a commencé il y a quelques années avec une juriste de réécrire, à chercher les adresses aussi à tout le monde, mais ça n'a pas abouti. Donc il fait que là, on est vraiment dans des situations où c'est encore complexe parce que du coup, on ne peut pas en permanence avertir tout le monde où va l'œuvre. Hein. Sinon, c'est une artothèque, n'a pas de sens. Mais c'est un cas particulier. Et on n'est qu'une trentaine en France à être, on va dire, un peu sous le même fonctionnement, hein, avec en plus entre d'être dans un musée, dans une école d'art et autres. Donc, on se casse la tête, mais on essaye peut-être un côté forfaitaire. C'est en discussion qui sera peut-être. Voilà, c'est la bonne. Souvent, quand des droits de reproduction et de représentation, ce qu'on appelle les droits primaires, ne peuvent pas être gérés individuellement parce que c'est trop compliqué. C'est pas des droits collectifs qui là sont vraiment une catégorie à part entière, mais on essaye de faire des contrats généraux ou des conventions pour justement fluidifier les relations, qu'il y ait au moins plutôt que rien un peu. Et c'est comme ça qu'on a conclu des contrats généraux avec plus de 200 titres de presse ou des diffuseurs TV ou des centres d'art et des musées, de sorte à ce qu'il y ait un montant de droits qui soit acquitté annuellement, qui est revu pour que ensuite ça soit réparti entre les différents auteurs. C'est bien du droit de reproduction et de représentation, mais ça ne fait pas l'objet d'une demande individuelle à chaque fois. Voilà. C'est un modèle qui a été le plus adapté, le plus pragmatique et qui en plus est tout à fait compréhensible de la part des artistes et des utilisateurs qui s'avèrent justement de meilleure volonté qu'ils savent aussi à quoi ils s'engagent au niveau pécuniaire et qui s'inscrivent dans la logique du respect des droits d'auteur sans que ça soit contraignant au cas par cas. Pour rester dans la même veine de ce qui vient d'être dit, il y a un problème qui se pose aussi sur l'antériorité des dispositifs qui sont pris dans le cadre de contrats, par exemple de cession d'œuvres pour les droits de reproduction. Les supports évoluant depuis très vite, on n'a jamais la bonne terminologie et l'indication des nouveaux supports. Moi, j'avais utilisé une terminologie, mais qu'on m'a dit après coup que ce n'était pas du tout légal. C'est autorisation pour les supports à venir. Mais il semblerait que ce ne soit pas légal d'utiliser cette terminologie. Alors, la terminologie qui est effectivement les supports connus et inconnus à ce jour peut être utilisée dans les contrats, mais effectivement, n'est pas suffisante. Donc il y a des terminologies qui maintenant, alors c'est vrai que ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de copier-coller dans les contrats, vous trouvez beaucoup de contrats sur internet et les clauses de propriété intellectuelle qui sont comme ça, on n'a juste pas envie de les lire, mais des fois ça vaut le coup quand même de les lire parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus en 1990 et que des fois ça vaut peut-être le coup de refaire un petit travail de mise à jour, juste d'aller voir sur Wikipédia si le support qui est noté dans le modèle existe toujours et pas obsolète. Mais oui, il y a des expressions, une terminologie qui est spécifique qui doit être intégrée dans le contrat. Il ne faut pas être trop large. Il ne faut pas non plus trop se restreindre. Nous, juristes, on a cette connaissance-là parce qu'on suit la jurisprudence, et c'est la jurisprudence, c'est les décisions de justice qui font le vocabulaire juridique. Donc on peut travailler en voyant cette évolution-là et arriver à faire cette mise à jour. Mais ce que vous disiez, ce que disait madame aussi, c'est qu'il y a de toute façon une contrainte, une obligation de vigilance à avoir, de s'assurer constamment que les autorisations, même des fois par des tiers dont on n'a pas forcément, sur lesquels on n'a pas forcément le contrôle, respectent le contrat. Si c'est pas le cas ou si les supports sont obsolètes ou enfin l'autorisation n'est plus conforme à l'usage qui est fait, de faire un avenant au contrat, de le renégocier. Je pense qu'en fait il y a une vraie crainte de la négociation. C'est ce que on est toutes d'accord là-dessus. C'est que cette idée que rediscuter avec l'artiste, il va nous échapper.
que revenir sur un contrat, ça va être l'occasion de mettre un terme à la relation, alors que bah, ça peut peut-être être l'inverse, en fait, finalement. Des fois, des contrats qui sont plus restreints, avec des durées plus courtes, avec des modes d'exploitation plus courts, sur des projets plus ponctuels, déjà, on évite les embrouilles, quoi, et on s'entend toujours bien à la fin, et on est content de re-signer un autre contrat derrière, et de réévaluer les choses. Alors que moi, ce que je remarque, c'est que souvent, dans les contrats très larges, avec des durées très larges, avec des exploitations, alors c'est vrai qu'avec Internet, l'exploitation, ça va être dans le monde entier, ça va être voilà, des choses comme ça, c'est à ce moment-là, finalement, que les tensions commencent à apparaître et qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'échapper, ou en tout cas, on n'a plus envie de travailler ensemble. Donc, il ne faut pas avoir peur de renégocier, c'est juste réadapter les choses et justement aller avancer, enfin, tout simplement avancer, faire évoluer le projet, l'exploitation. Mais bon, après, je comprends que ce soit... ça fait peur. Enfin, il y a vraiment un tabou hein, par rapport à ça. Je pense du côté des artistes, du côté des structures, il y a des vraies réticences. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, ce que vous avez dit en fait toutes les trois, c'est ce qui revient tout le temps, c'est l'histoire de la crainte, de la peur de la rémunération, la peur de la loi. Et la loi qui est vue, la loi, le contrat, l'écrit, en fait, qui est vu comme quelque chose de répressif, au lieu que ce soit un outil d'assainissement des rapports et de poser un cadre. Il y a vraiment ces deux points de vue qui s'affrontent et c'est comme si on se mettait à écrire des contrats et à respecter la loi, on ouvrait... la porte de Pandore, tout allait s'écrouler, il n'y aurait plus rien, parce qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde, etc. Et c'est vraiment, ce qui est agité, c'est la question de, c'est une question de peur, de crainte, à chaque fois, c'est ces mots qui reviennent. Et un peu de mystification des choses. Comment ? Nous, on défend, j'imagine que c'est ce qui est défendu autour aussi, mais ce que j'avais vraiment cœur à dire, c'est que l'idée, c'est vraiment de défendre la contractualisation, même pas de présupposer, même si elle peut être réelle, hein, cette peur, mais de qu'il y ait aussi des prises de parole publiques qui le mettent pas qui disent autre chose. Donc c'était ça que j'avais à cœur de dire aussi. La contractualisation, c'est important, ça se passe bien, et l'artiste aussi est souvent désautonomisé dans sa capacité à le faire. Il faut pas trop préjugés non plus des capacités de l'artiste à contractualiser. Il en a, je pense, ils en ont, elles en ont. Donc, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit. Hein. Je dis que beaucoup de gens le disent. Et c'est important d'avoir aussi une autre modalité d'énonciation et de dire aussi, parce qu'on critique souvent le côté indépendant de l'artiste, qui donc, des problèmes de structuration professionnelle du secteur, où les artistes plasticiens sont trop... ils ne travaillent pas collectif, ils ne sont pas capables de prendre en charge leur administratif, etc. Et je crois qu'il faut peut-être casser un peu ça aussi. Je ne dis pas que l'inverse n'est que vrai ou que seul l'inverse est vrai, mais je pense que notre secteur souffre aussi beaucoup de ces vérités-là et qu'il faut aussi faire attention. Voilà. Oui. Alors, moi, j'avais une petite question sur le rôle aussi des collectivités. Et en fait, ça rejoint cette idée qu'à un moment, il faut faire culture, il faut faire de cette capacité, de cette liberté des artistes et des diffuseurs à négocier librement, dans un cadre éthique et libre, il faut en faire une culture de ça. Voilà, l'année dernière, on a, pendant le confinement, le réseau PAC a mené une série de discussions avec différentes collectivités. Et parmi les collectivités qui ont été vraiment à l'écoute, notamment sur cette question potentiellement d'introduire une demande dans les dossiers de subvention, d'introduire une demande de pièces justificatives de la rémunération des artistes, la ville de Marseille... Voilà, c'était en l'espèce Jacqueline Nardini qui est juste derrière moi, et je tiens à saluer aussi la présence de Jean-Marc Coppola tout à l'heure. Il y a eu cette écoute-là, et peut-être que... Est-ce que la FRAP a déjà essayé de
proposé ça à l'ensemble des collectivités territoriales, ou bien est-ce que ça s'est fait au degré à gré, enfin, avec une collectivité en particulier, une autre en particulier? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de faire culture autour de ça, justement? Alors, c'est vrai qu'on en parle depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a vraiment, en plus, comme je disais, aussi un vrai travail fait par les collectivités pour avancer là-dessus. Vous parliez d'une... Enfin, on est passé très vite à la fois d'un point comptable tout à l'heure à un point juridique. Je crois que vraiment, il y a quand même aussi une très grande importance à noter les choses comptablement. Et c'est-à-dire pas dire dans mon budget, j'ai X 1000 euros en honoraires ou en prestat de service, mais bien faire, je sais pas que vous l'avez dit non plus, hein, bien faire émerger les droits d'auteur et stipuler cette ligne qu'on a réussi dans pas mal de régions. On ne sait pas nécessairement la frappe au niveau national, mais à plein d'endroits, à mettre dans les CERFA désormais. La ligne droit d'auteur qui n'y était pas il y a encore pas si longtemps, qui permet aussi, puis en comptablement, en réglant directement, non pas en honoraire, en prestat, mais en droit d'auteur, on sait bien ce sur quoi on s'acquitte de la contribution diffuseur. Ça aussi, c'est quand même un petit peu important. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de travail au national de la frappe sur ces questions, sinon au cas par cas. C'est-à-dire, et puis encourager les associations membres. On n'a pas du tout de structure fille à la frappe, il n'y a pas de frappe régionale, etc. Enfin, il en existe une en Île-de-France, un cas particulier. Mais dès qu'on interagit avec des collectivités territoriales, on le dit, mais il n'y a pas un propos encore. Non, mais c'est, on y travaille et ce serait vrai qu'il faudrait qu'on le fasse. D'ailleurs, vous avez tout à fait raison. C'était à propos des contrats des artistes, justement. Il existe des modèles où ce serait très compliqué de mettre en place des modèles qu'il n'aurait peut-être qu'un petit peu à modifier, ou ce serait... Est-ce que ça existe ou pas dans ce qu'un des organismes a mis en place? Je peux faire un premier élément de réponse. Après, je suis peut-être vous deux les plus spécialistes. Il existe des modèles... La frappe en A, par exemple, mais ce n'est pas ça que je voulais dire, c'est que, attention, si notre secteur souffre de manque d'informations, il souffre d'abord et avant tout, mais vraiment, de mésinformations. Donc, il en existe, mais faites très attention aux structures qui en font. Donc, un contrat type, il faut faire vraiment attention aux structures ressources. Je crois que ça fait beaucoup plus de mal au secteur de la mésinformation que le manque d'infos parfois. Mais voilà, enfin, la frappe en fait. Moi, je vous recommande aussi d'essayer de chercher des contrats commentés. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs sur un principe qui vient garder quand même une base incontournable, qui explique pourquoi elle est là, ce qu'on peut changer, ce que ça implique. Je trouve que ce sont de bons outils. J'ai pas grand-chose à dire sur ça, parce que c'est pas mon métier. Je ne fais pas de contrat type. Moi, quand on vient pour rédiger un contrat, c'est sur mesure avec le client. Donc, je ne vends pas ou je ne transmets pas de contrat type qui serait rempli par le client seul. Après, moi, j'ai mes modèles sur lesquels j'ai travaillé au fur et à mesure des années et qui fait que ça me sert de base. Mais en tout cas, les avocats, on ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a des ressources d'information pour le public qui existent. Il faut juste, comme vous disiez, c'est faire très attention à la source, parce qu'on ne sait pas, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Il faut juste s'assurer, il y a deux choses à vérifier, c'est que c'est un juriste qui a rédigé, et la date de mise à jour en fait, du modèle. C'est vraiment hyper important de s'assurer que ce que vous allez utiliser est encore à jour au niveau de la législation, de la réglementation applicable. Voilà. Et de toute façon, dernier point hyper important, pour les parties,
c'est de comprendre ce qu'elle signe. Je pense que c'est la base en fait de la relation contractuelle, la base de la négociation, c'est de comprendre tout simplement ce sur quoi on s'engage, parce que c'est un engagement, hein, c'est un engagement, c'est-à-dire que vous signez un contrat, vous êtes engagé. C'est la loi des parties, pour reprendre le code civil, et c'est sur vos engagements contractuels que vous pouvez être jugé et engager votre responsabilité. Donc la compréhension du texte et du contrat est absolument fondamentale. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est pareil, la DAGP, on a souvent ce type de demande, hein. Alors déjà, modèle de contrat, il faudrait déjà savoir de quel type de contrat on parle, le contrat de commande, le contrat de création d'une œuvre dans le cadre d'une résidence, le contrat de cession de droit, le contrat de... Voilà, donc déjà on est sur un pluralisme qui ne permet pas forcément d'avoir un contrat de type. Sur les contrats commentés, oui, je rejoins cette bonne solution. Il y a des contrats qui existent. Alors, à ma connaissance, pour l'instant, moi, j'ai le contrat BD commenté qui existe. Le contrat BD, pardon, pour bande dessinée, qui est en ligne sur le site de la DAGP, qui a été réalisé en collaboration avec le SNAC BD, qui évolue aussi justement chaque année, qui est actualisé, parce que ça, c'est vraiment très important aussi d'avoir ça à l'esprit. Sinon, vos ressources légales, c'est quand même les codes. Et c'est vrai que l'artiste ne sont pas des avocats. C'est pour ça que toutes les ressources qu'on a pu évoquer au cours de la journée sont à vraiment avoir en tête, à diffuser. Parce que souvent, j'ai remarqué aussi que les lieux de diffusion, les utilisateurs vont voir les artistes en disant « propose-moi un contrat ». Sauf que c'est pour faire porter la responsabilité d'une relation contractuelle qui est bipartite à une seule personne qui n'est pas forcément, c'est pas le métier. Donc, qu'il y ait une base de discussion, ok, mais que ça soit formalisé par quelqu'un qui a les compétences juridiques. Ce n'est pas à vous. De même manière, sur la façon de rédiger certaines factures ou savoir quel est le régime, le taux de TVA, etc., ça c'est vous quand vous facturez. Mais il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas répondre. Vous n'êtes pas là pour faire la pédagogie de vos diffuseurs. Donc, qu'ils soient au courant. Il y a des ressources, on peut s'adresser à des structures comme la FRAP ou à des organes juridiques plus particuliers. Mais vous avez déjà, en tout cas les artistes qui sont présents dans la salle ont déjà leur partie à gérer, c'est déjà pas mal. Donc déjà, je voulais aussi parler de cette responsabilité qui est fait porter aux artistes, qui les place encore plus dans une situation de pression qui les crispe, qui les tétanise et qui ne fluidifie pas du tout les relations pour créer sereinement, en fait. Juste une petite information juridique. Attention, warning, la facture ne vaut pas cession de droit quand même. Faites attention, même c'est sûr que c'est très important de libeller la facture pour aussi faire passer un message sur l'économie du contrat, mais la jurisprudence a quand même clairement confirmé que la facture, même avec une clause de cession de droit à peu près rédigée en général, de toute façon sur une facture, on ne peut pas vraiment faire plus que 2 lignes, ne vaut pas cession de droit d'auteur. Donc c'est aussi pour rebondir ce que disait Julie, c'est que ne pas sous-estimer l'artiste dans la relation contractuelle, parce que on a heureusement cette chance en droit français d'avoir un code de la propriété intellectuelle qui est quand même protecteur de l'artiste, et que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour un juriste averti, c'est pas très compliqué des fois de faire annuler des clauses de cession de droit de propriété intellectuelle, parce que justement les contrats sont mal rédigés et les clauses n'ont pas été valables. La conséquence d'une clause qui n'est pas valable, c'est la nullité
hein, de la cession, ça veut dire que ben, en fait, vous n'avez pas l'autorisation d'exploiter l'œuvre. Donc, quand on sait ça, il y a un paradoxe quelque part, de se dire pourquoi les artistes se sentent des fois si peu armés, alors qu'en fait, les armes, ils les ont. C'est peut-être justement juste cette méconnaissance ou cette mauvaise information qui empêche de créer des situations qui pourraient déjà... rendre le système un peu plus vertueux en s'appuyant sur cette protection qui les ont déjà. Après, la question, c'est comment, quand le droit n'est pas respecté, qu'est-ce que tu fais ? Peut-être tout simplement. C'est pour ça qu'il y a très peu de contentieux. Il y a très peu de contentieux dans ce secteur-là. Parce que y a peu d'artistes qui osent engager des actions en justice. Les contentieux, les affaires judiciaires dont on entend parler, c'est des artistes très renommés qui craignent pas pour leur carrière et qui y vont. Mais c'est assez rare quand même que les artistes aillent au bout, en fait. Ouais, là c'est vrai qu'il y a des demi-mesures, des solutions qui existent, hein, puisque pour voir ça à la DAGP, quand et à la CF, c'est pareil, hein, pour les sociétés d'auteurs en général, quand on constate qu'un artiste membre qui a donné mandat de gestion pour la gestion de ses droits à la DAGP nous signale une utilisation non autorisée, il y a une régularisation qui est faite auprès de l'utilisateur avec, et ça c'est selon la consigne de l'artiste, l'application de pénalités ou d'astreintes journalières dans le cadre d'une œuvre par exemple publiée sur un site internet. Il peut y avoir des astreintes par jour de non-retrait de l'œuvre sur le site internet mentionné. Donc c'est des capacités d'action, puisqu'il y a un mandat de gestion qui est donné, qui évite les actions en justice, mais qui permettent quand même de faire valoir les droits et d'obtenir réparation du préjudice subi. Donc c'est aussi une façon de pouvoir justement se préserver de ce conflit en direct que les artistes veulent éviter, et c'est tout à fait compréhensible, avec un diffuseur et un utilisateur, de se retrancher derrière son gestionnaire de droit qui se prononce au nom de l'artiste, dans le respect de ses consignes. Il n'y a aucune action qui est initiée de la part d'une société d'auteurs sans concertation avec l'artiste qui lui a confié les droits d'auteur. Mais ça permet d'obtenir réparation, de se sentir aussi en sécurité, se sentir protégé, sans avoir l'impression... d'aller au conflit ou d'être toujours l'artiste qu'on va blacklister parce qu'il demande trop, en fait. Non, il demande ce que disait Julie, ce qu'il faut, il faut que la norme, ce soit le respect des droits de l'artiste et non pas l'exception de l'application des bonnes pratiques. Il y avait une chose qui était assez intéressante, d'ailleurs, quand vous parliez de la frappe comme diffuseur des diffuseurs, en fait. Des informations des diffuseurs, et que s'il n'y a pas de rémunération des artistes dans ce que propose un diffuseur, ça ne sera pas diffusé. Ça aussi, c'est des modes d'action. Personne n'a envie de disparaître. Donc, comment on va trouver assez vite des solutions pour continuer d'exister dans un autre processus de diffusion ? Il y va de leur notoriété. C'est ça. Non. Non, mais bien sûr. Oui, mais le clin d'œil s'adressait à cette discussion qu'on a eue, bien sûr, suite à votre intervention, mais d'une manière générale, et ça, on le dit de manière sous-jacente depuis le début des interventions, c'est aussi, il y a aussi, par rapport à la coercition, etc., enfin, l'artiste est en situation permanente de partie faible quand il y a signature de contrat, donc en général, la loi existe, mais si l'artiste signe un contrat qui le met en défaut, il finit par être responsable aussi, et donc perd ses droits,
à cause même du fait qu'on lui défend le fait qu'il va perdre sa notoriété. Donc il fait lui-même le choix de renoncer à une rémunération. Je sais bien que c'est ce que... C'est, voilà. Une fois encore, je sais que ce n'est pas ce que vous disiez, mais c'était avec vous qu'on avait évoqué la notoriété. En réalité, en tout cas, nous, à toutes les rencontres de la frappe, etc., cette question du paiement en notoriété dépasse votre intervention de tout à l'heure, parce que c'est permanent, en fait, dans les échanges qu'on peut avoir. Voilà. Mais ce qui permet, en tous les cas, de boucler la boucle, et à moins qu'il y ait d'autres questions, remarques ou interventions... Bon, qu'on puisse en tous les cas remercier chaleureusement Maître Hortzmann et Nicolas Dupuis, même s'il n'est pas là. Également, évidemment, Julie De Smit et Mika Lopez, même si elle n'est pas là. L'intention était vraiment là, la pauvre. Nathalie Mindre, évidemment, et toute l'équipe de la DAGP. Diane Guyot de Saint-Michel, la présidente de Provence Art Contemporain. Un gros, gros, gros merci au MUCEM, à Elia Pockner, aux équipes de Eric Monchot et Laurent. Et merci à vous. On se revoit demain matin, a priori, à Aix-en-Provence, pour une deuxième table ronde, cette fois-ci sur la question... Des nouveaux espaces. Voilà. Soit digitaux, internationaux ou les ateliers d'artistes. Et on clôturera ces trois premières rencontres du réseau PAC avec une troisième table ronde à Port-de-Bouc, jeudi, sur le thème de... La responsabilité. Quel duo. Voilà. Comment est-ce que l'art contemporain... Précisément, art, environnement et société. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci pour votre accueil.